On se réveille moins bête avec Clément. Salut mon Clem. Salut Guillaume, salut tout le monde. Comment il va celui-ci? Eh ben très très bien, et vous? Ça va très bien, t'es où là? Moi j'habite tout près de Nantes. Okay. Je suis à la maison. T'es à la maison, tu fais quoi dans la vie? Je travaille en industrie, tout ce qui est télescopique, tout ça. Industrie télescopique, c'est quoi? Tu fabriques des télescopes? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, trop bien. J'avais un télescope quand j'étais petit, moi. Ah oui. Bah ouais, pour regarder les étoiles. Moi, c'était mon rêve. J'en ai jamais vu, mais. Mais t'en as eu un pour de vrai ou pas? Bah, bien sûr. Moi, je rêvais, j'en ai pas eu. Clément, on va se réveiller moins bête avec toi. 43% des Français trouvent que c'est pas grave de le faire en amour. De quoi on parle selon toi, mon Clem? Bah, je pensais simuler un orgasme. Simuler un orgasme, ce n'est pas ça. C'est quelque chose d'un peu honteux et je pense qu'on l'a tous fait ici. Diane. Ouh, mentir pour pécho. Mentir pour pécho, non. C'est quelque chose que Diane a déjà fait de source sûre parce qu'elle nous l'a déjà dit. Yannick. Ah. Dire je t'aime pour arriver à ses fins. Non, ça c'est ce que fait Yannick. Fabien. Ah justement, alors moi si je reste sur la vie de Yannick, notre producteur. Alors je sais que lui qui trouve que c'est pas grave de piquer les petits amis de ses copains. Oh c'est ça non. Alors je vous donne un indice. Téléphone. 43% des Français trouvent que ce n'est pas grave de le faire en amour. Clément, est-ce que t'as une idée? Non, j'en ai pas forcément. Diane. Faire des sextos? Non. Yannick. Ah, fouiller dans le téléphone de son partenaire. Non, alors Diane, tu t'approches parce que c'est quelque chose qu'on envoie par SMS. Qu'on envoie? Des photos nues? J'ai jamais fait ça. Non, au cours d'une relation. Des photos habillées? Plutôt à la fin d'une relation. Ah, des photos à moitié habillées? Rompre par SMS. Rompre par SMS, 43%. C'est pas bien, Diane. Moi, je ne fais que ça. Je savais même pas qu'il y avait d'autres façons de rompre, moi. Ça te choque, Clément, ou pas, de rompre par SMS? Oh, ça se fait pas, ouais. Tu trouves que ça se fait pas? Mais non, ça se fait pas, il a raison. Arrêtez. Alors là, je suis sur un super site qui s'appelle radin.com qui propose les phrases les plus hypocrites en cas de rupture. Si vous cherchez des idées de SMS, parce que moi, c'est vrai, je sais jamais comment larguer ma partenaire par SMS. Par exemple, ce n'est pas de ta faute, je ne suis pas suffisamment bien pour toi. Pas mal. Je pars, mais je serai toujours là pour toi. Oui. Ah. Tu sais que tu seras jamais là. Je ne suis pas prêt à vivre une relation sérieuse. Bon, ça c'est basique. Mmh. Et je romps dans notre intérêt à tous les deux. Un jour, tu me remercieras. Magnifique. Le pire, c'est ne t'inquiète pas, c'est pas toi le problème, c'est moi. Ouais, ça c'est classique, classique. Ça, fabuleux. Diane, toi t'as déjà rompu par SMS. Oui. C'est quoi le SMS type de rupture? Ouais, non, mais c'est de dire, écoute, c'est déjà faut qu'on parle. Non, en fait, au début, tu deviens un peu froide. Ouais. Qui te pose une question et on te fait bon, écoute, faut qu'on parle. Clairement, ça va plus. Non, mais clairement, là, tu m'oppresses, tu m'as. Bon, écoute, ça va plus. Voilà, je t'arrête. Mais en vrai, c'est horrible parce que les trois quarts du temps, c'est vraiment le cas, ça va vraiment plus. Et le voir en face à face, moi, je trouve ça trop dur. Parce qu'en fait, quand tu vois la personne en face, bah, tu recraques, c'est normal, tu l'as aimé avant, donc tu retombes dedans. Alors que quand c'est par SMS, tu sais, tu te convaincs que c'est fini. Et au moins, tu le vois pas, t'es pas confronté. Voilà, ça s'appelle un bon déni. Enfin, alors, j'ai la SMS gentille pour rompre aussi. Te quitter est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. C'est mignon. Mais je le fais quand même. Je t'aime, mais quelque chose a changé entre nous et je n'arrive plus à vivre avec toi. Oh. Et ouais, je pars, mais sache que je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Oh. C'est beau ça. En plus, il me le dit dans les yeux. C'est gênant, Guillaume. Clément. Oui. Je veux pas te mentir plus longtemps. Je souhaite rompre. C'est un autre SMS. Merci d'avoir été avec nous, Clément. Salut, Clem. Salut. Le Morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.